Tout le monde, bienvenue sur ma chaîne. Si vous êtes de bonnes nouvelles, n'oubliez pas de vous abonner. Si vous êtes sur ma chaîne aujourd'hui, je pense que c'est parce que vous vous ennuyez à la maison. Je vais vous donner 70 conseils des choses à faire pendant qu'on est dans le confinement. Cuisiner un plat qui vous convient, dormir, profite bien du temps pour dormir, pour vous reposer, puisque avant le confinement, il y a beaucoup d'entre nous qui n'avaient pas eu beaucoup de temps pour se reposer. Vous pouvez aussi nettoyer vos Facebook, nettoyer vos emails, nettoyer votre maison, nettoyer le garage, nettoyer vos frigidaires, nettoyer votre garde-robe. Vous pouvez aussi faire des projets pour votre vie. Vous pouvez aussi danser, faire du yoga, faire des jeux de table. Et puis, commencer à nettoyer la maison pour voir quelles choses que vous n'avez plus besoin pour faire un vente de garage après le confinement. Vous pouvez aussi faire du jardinage. Vous pouvez aussi planifier votre vie, planifier votre destination, vous donner un massage, préparer un morning routine and afternoon routine, night routine. Vous pouvez aussi préparer, un masque pour vos visages, un masque pour vos cheveux, un masque pour vos corps. Vous pouvez aussi inventer des choses. Vous pouvez aussi écrire votre journal de bord. Si vous êtes toujours à l'école, vous pouvez aussi étudier. Pendant 7 ans, c'est pas drôle d'étudier. Bon, c'est bon pour l'avenir, disons. Aussi, vous pouvez aussi ouvrir un compte de TikTok, un compte de Instagram. J'en ai un. C'est Diamant Afro Hair. Vous pouvez aussi ouvrir un compte de Facebook. Ma Facebook, c'est Diamant Afro Hair aussi, avec D majuscule Diamant, D-I-M-A-N-T, Afro Hair. Puis, vous pouvez aussi ouvrir un compte de email. Dis donc, vous pouvez aussi apprendre à manipuler TikTok, parce que TikTok, c'est tellement difficile. Je vous jure. J'ai commencé à apprendre TikTok hier. Mais j'arrive toujours pas à savoir comment que ça fonctionne parce que ça prend du temps. Ok, bon, on laisse tomber le TikTok. Vous pouvez aussi à nettoyer vos emails. Moi, j'en ai plein que j'ai pas encore fait. Vous nettoyez vos emails parce qu'il y a plein de courriels qu'on reçoit tout le temps de ça. Vous pouvez travailler à la maison. Vous pouvez aussi faire des tutors en ligne. Vous pouvez aussi faire des tutors en ligne. Vous pouvez aussi travailler sur votre plan d'avenir. Vous pouvez aussi vous pouvez faire du sport, faire la méditation. Vous pouvez aussi courir. Vous pouvez aussi lire un livre qui vous convient, un livre que vous aimez. Moi, j'aime beaucoup les livres de romans et les livres d'aventure. Vous pouvez aussi lire ce genre de livres. Vous pouvez finir de travailler sur un projet que vous avez commencé, que vous n'avez pas eu le temps de le finir. Vous pouvez aussi visionner les musées derrière votre ordinateur. Hier, je l'ai visité, c'était vraiment fun. J'ai aimé. Vous pouvez aussi faire le jardinage et écrire un journal de bord. J'en ai un. Colorier, dessiner. Vous pouvez aussi travailler sur votre entreprise et puis essayer de manger en santé et travailler sur votre santé et faire beaucoup de méditation, de yoga. Et apprendre à danser, apprendre à jouer un nouveau instrument, apprendre à se maquiller, apprendre à se coiffer. Essayez de manger en santé et travailler sur votre santé et faire beaucoup de méditation, de yoga, apprendre à se coiffer. On peut faire aussi un grand ménage, jette des vêtements qui sont inutiles. Des fois, on a des vêtements encore qui sont inutiles. On jette ça. Je les meubles de place, faire du prank. Et du challenge, on peut faire aussi. Pour faire des photos, s'il y a quelqu'un à la maison qui sait comment prendre des photos, on fait ça. Puis on peut aussi faire nous-mêmes des selfies. Comme moi, j'aime ça prendre des selfies. On peut aussi faire ça, de beaux selfies. On peut aussi apprendre à tricoter, apprendre à coudre, apprendre à faire des bracelets, des nouveaux apps
qui vient de sortir pendant le confinement, on peut les télécharger pour voir, aller voir lesquels qui est mieux pour nous. Surtout, il y a beaucoup de apps, il y a beaucoup de apps qui sont sorties pour prendre des photos. Puisque dû à le confinement, il y a beaucoup d'activités aussi. On peut essayer aussi de sortir de notre zone de confort pour voir des choses qu'on aime.